Marie-Ange Dubon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir au siège de Suez, à la Défense. Oui. Vous êtes directrice générale de la division internationale. Vous avez donc, et bien évidemment, vous exercez le pouvoir, vous le côtoyez. Dites-nous, pour vous, quelle est votre définition du mot pouvoir ? Je lis très fortement pouvoir avec la capacité d'influencer les choses, de les faire bouger. Est-ce que vous diriez que cette envie de faire bouger les choses ou d'accompagner l'action dans l'exercice du pouvoir se traduit différemment selon si on est un homme ou si on est une femme? Aujourd'hui, les femmes et les hommes n'ont pas la même place dans la société. Et donc, d'une certaine manière, ça a une influence sur leur façon d'être dans la vie professionnelle, dans la vie active. Et donc, il y a peut-être aujourd'hui encore des différences entre les hommes et les femmes dans leur façon d'exercer le pouvoir ou de faire des choses. Oui. Cette façon différente d'exercer le pouvoir se traduit justement différemment dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle, ou est-ce que ça se fait de façon quasi linéaire ? On se comporte, je pense, un peu différemment, même si probablement on voit aussi des évolutions. Et puis les femmes dans les entreprises à des postes de responsabilité sont une minorité, donc peut-être qu'on peut dire qu'elles ont un comportement de minorité. On dit souvent qu'elles ont à démontrer des choses. Des choses. Et on dit souvent que les femmes, justement, qui sont à des postes de responsabilité dans des entreprises, ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que ça a été votre cas ? J'ai fait des choix. J'aurais aimé passer beaucoup plus de temps avec mes filles. Peut-être pas elle d'ailleurs, mais donc, oui, on fait forcément des abandons. Oui, oui, oui. Des abandons dans la lecture, des abandons des amis qu'on voit moins. Voilà, il faut quand même arriver à tout concilier. C'est le temps qui est probablement la chose qui manque le plus. L'association que je dirige travaille pour réduire les inégalités dans notre société. Et malgré tous nos efforts, on a l'impression qu'on n'en fait pas assez. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire un peu plus, un peu mieux ou différemment pour justement favoriser un mieux vivre ensemble dans notre société ? Je lis quand même beaucoup, évidemment, l'économique et l'exclusion. Absolument. Ce sont des éléments économiques conduits à des exclusions et l'amélioration d'une situation économique favorise un bien-être collectif. Donc il faut travailler à l'amélioration collective de nos économies pour favoriser la réduction des inégalités et la réduction de l'exclusion. En préparant cet entretien, on vous a demandé de nous apporter une photo, une image, quelque chose qui pour vous illustre le pouvoir et la féminité. À quoi avez-vous pensé ou que nous avez-vous apporté ? Je ne vous ai rien apporté parce que, en fait, on pourrait penser à plein de choses, mais j'ai un objet que j'aime bien, mais qui n'est pas très facilement transportable, qui est une carte du monde qui, en fait, est en chinois et qui est centrée sur le Pacifique. D'accord. En fait, qui est la carte du monde, non pas telle qu'on la voit quand on habite à Paris, en France, en Europe, mais la carte du monde telle qu'on la voit quand on habite en Asie. Et je trouve que c'est un objet intéressant parce que à la fois il montre le monde, donc c'est une valeur à laquelle je suis attachée. On fait partie du même monde, on est des êtres humains, quel que soit l'endroit où on habite, on a des mêmes valeurs, on devrait avoir des mêmes valeurs. Et inversement, suivant l'endroit où on n'a pas la même perspective. Tout à fait. Et si on doit faire le lien avec la femme, je trouve que un des intérêts de la montée des femmes dans la vie économique, la vie politique, la vie sociale, c'est d'apporter une autre perspective.
un autre angle, un autre point de vue. Et vraiment, l'endroit où on se met ne donne pas la même vision. Donc voilà, c'est l'objet auquel je pense, parce que c'est à la fois, on voit le monde, donc où est le pouvoir, et en même temps, on a une nouvelle perspective. Voilà. Si, en regardant cet entretien, une petite fille disait bah, « Moi, quand je serai grande, je voudrais être Marie-Ange de Bon », vous lui diriez quoi? Je lui dirais que y a magnifique métier, il y a plein de magnifiques métiers. Je dirais que j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui est Suez, qui travaille sur l'eau, la protection de l'eau, la protection de la ressource, la protection de la planète. Donc j'espère que c'est ça qui l'inspirerait plus que la personnalité, c'est de pouvoir travailler dans des métiers qui, pour les générations futures, sont une valeur ajoutée importante. Voilà. Ça pourrait être aussi ce message pour les générations futures de s'investir dans des métiers qui ont une plus-value pour l'ensemble de la planète, par exemple. Oui, je pense qu'il faut qu'on travaille tous collectivement à la préservation de nos enfants, de ceux qui viendront après nous, et puis à l'amélioration du quotidien des gens, que la pollution, les maladies, les enfants qui meurent de l'eau sale, de l'eau usée, des maladies qui sont transportées par l'eau, ce sont encore énormément de choses à faire, ou par la problématique des déchets qu'on voit naître dans beaucoup de pays émergents, et là aussi, à la fois pour la beauté des paysages du monde dans lequel on vit et pour notre santé. Il y a encore beaucoup d'actions à faire, donc c'est un message pour toutes les générations. Oui. Très bien. Notre entretien touche à sa fin. Merci. Pour Marie-Ange Debon, le pouvoir c'est... Le pouvoir c'est l'action, c'est faire. Très bien. Merci beaucoup. Merci.